Yep les gens, c'est Verxius et aujourd'hui on se prend une deuxième vidéo aujourd'hui. Donc je pense vous en sortirez deux autres demain. Donc je viens de vous sortir déjà la vidéo sur les dragueuves. Donc vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Donc si vous avez déjà vu cette vid la vidéo sur les dragueuves, donc vous voyez, je viens d'à peine de la poster, ça continue à se vendre les coquilles, hein, vraiment en masse. Donc cette technique va consister sur les sphères Amitaria. Donc oui, cette astuce a déjà été faite par d'autres youtubeur, mais franchement j'aimerais la refaire parce qu'il y a quelques détails qu'il faut vraiment préciser. Et déjà ça coûte 100 kamahus, donc je vais faire le chemin avec vous pour aller les acheter. Ça coûte seulement 100 kamahus, donc ça fait 1000 kamalidis, et vous voyez je revends 6000 kamalidis. Donc déjà le prix est x6. Et ne le faites pas que par 20, par 30. Moi j'ai acheté 400 sphères à Metara, donc ça m'a coûté 4000 kama. Et si vous les vendez à 6000 kama par 10, donc moi en 20 minutes j'ai déjà vendu un pack de 50. Donc vendez-les, achetez-en 400. Vous les vendez par 10 à 6000 kama les 10 environ. Et ça vous fait 240 000 kama. Donc on peut calculer, bah, j'ai déjà fait le calcul, vous voyez. Donc on refait si vous voulez. Donc 400, donc ça fait 40 packs, puisque c'est 40 packs de 10 fois 6000 kama. Égale 240 000 km. Donc je vais directement faire le chemin avec vous. Aussi j'aimerais vraiment vous dire merci puisque sur ma chaîne on est le 29 mai, oui, vendredi 29 mai 2015, et il y a 43 abonnés. Donc ma première vidéo je l'ai postée il y a environ un mois. On va pas dire un mois parce que enfin un mois ouais parce que je me suis absenté 10 jours en fait, donc parce que j'étais en vacances à Paris. Donc on va dire ouais, ça fait un mois à peu près que j'ai mis ma première vidéo. Donc je trouve que c'est vraiment sympa de votre part de me suivre et de liker autant de mes vidéos. Donc on va continuer le chemin. Donc aller jusque dans la lignée de l'atelier des forgemages. Vous allez dans la lignée. Donc c'est dans la lignée du zap aussi. Donc au pire vous prenez le zap de Plaine des Porcas et vous foncez droit. Par contre il faut l'avoir parce que ce zap est pas très utile, à part pour l'almanax, mais bon, généralement, les gens qui ont un peu de kama prennent des popos de bibliothèque. Donc on va descendre jusqu'à l'atelier. Hop, trois cases encore. Après, il faudra tourner à gauche, aller en bas et aller à droite. Tiens, là, je sais pas ce qu'il fait, mais il ferme les... Alors... Donc attendez. Donc maintenant à gauche, vous descendez, vous allez à droite et vous rentrez dans le bâtiment, donc celui-ci. Vous inquiétez pas, les mobs n'agressent pas. Vous parlez à Elminster, vous faites acheter-vendre et vous achetez des sphères à Metaria. Donc vous voyez, ça coûte seulement 100 kama, vous en achetez 400, ça vous fait 40 000 kama. Ça coûte 240 000 kama, 10 packs de 40, donc ça vaut vraiment le coup. Donc ça sera à peu près tout pour cette vidéo. Donc les gens, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Comme d'habitude, dans la description, je vous le marque tout le temps. Si cette vidéo ne vous a pas plu et que vous voulez mettre un dislike, mettez au moins un commentaire pour vous justifier, s'il vous plaît. Allez, ciao ciao les gens.